Les fêtes de fin d'année se dérouleront dans quelques semaines. À cette occasion, la famille royale d'Angleterre multiplie les sorties officielles et les rencontres avec le public. Ce 8 décembre, le prince et la princesse de Galles ont assisté au 3e concert annuel de chant de Noël. Ce dernier, organisé par l'épouse du prince William, s'est déroulé à l'abbaye de Westminster. Le couple était accompagné par ses 3 enfants, les princes George, 10 ans, et Louis, 5 ans, ainsi que la princesse Charlotte, 8 ans, pour l'occasion. Avant de pénétrer dans l'abbaye, les petits-enfants du roi Charles III ont posté des enveloppes dans une boîte aux lettres rouges, située à l'entrée de l'édifice, a rapporté People. La journaliste royale Rebecca English a précisé qu'il s'agissait de cartes de Noël, rédigées de leurs mains et adressées à des enfants dans le besoin. Sur son compte X, anciennement Twitter, elle a posté une courte vidéo de la scène. Supérieur à supérieur à George, Charlotte et Louis, tir à l'arc, peinture et marshmallow. Ils font craquer les Britanniques. Un moment de partage dans son post-X, Rebecca English a ajouté la légende suivante, George, Charlotte et Louis utilisent la boîte aux lettres de Noël située à l'extérieur de l'abbaye de Westminster pour envoyer des cartes de Noël et leurs meilleurs vœux à d'autres enfants qui pourraient être en difficulté cette année. Ils ont tous écrit leur propre carte de Noël, on me dit. Si le prince George et la princesse Charlotte avaient assisté à cet événement l'an dernier, pour le prince Louis, le plus jeune des enfants du prince William et de Kate Middleton, il s'agissait d'une première, a rappelé People. La veille, c'est dans le Windsor Great Park que le prince, la princesse de Galles, ainsi que leurs 2 aînés ont été vus, selon Hello. Ils y ont choisi un arbre de Noël, ont rappelé nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence. I just need